Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans 50 films avant la fin de 2023. Et aujourd'hui, on va parler du Père Noël est une ordure de Jean-Marie Poiret, sorti en 1982. Le Père Noël est une ordure, un film culte du splendide que j'aime pas du tout. Honnêtement, je pense que parmi les films cultes, donc la trilogie des bronzés et le Père Noël est une ordure, c'est celui que j'aime le moins. Oui, je préfère les bronzés 3. Parce qu'en fait, le Père Noël est une ordure est un film sympathique. Il y a des bons gags et tout. Le problème, c'est que c'est adapté d'une pièce de théâtre. Bon, comme les bronzés à la base. Sauf que j'ai vu la pièce de théâtre plusieurs fois. En fait, je l'ai en DVD. Et pour le coup, la pièce de théâtre est beaucoup, beaucoup plus satisfaisante. À la fin du film Le Père Noël est une ordure, j'ai l'impression que c'est un fourre-tout mal mélangé où rien ne va. Tu te dis, il fallait terminer le film, vous n'avez aucune idée, hop, on fait ça. Alors que dans la pièce de théâtre, j'avais vraiment l'impression que tout filait droit et toutes les bonnes choses du film viennent de la pièce de théâtre. C'est pour ça que j'ai un peu de mal parce qu'en fait, la pièce de théâtre voilà, est beaucoup mieux que le film. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. Après, le film a une bonne idée qu'il n'y a pas de la pièce de théâtre, du moins je m'en souviens pas en tout cas, c'est l'ascenseur. Voilà, tous les gags avec l'ascenseur, j'ai bien aimé, ça rajoute un petit truc au film, ça lui permet de se détacher un peu de son modèle théâtral, donc ça va, c'est intéressant. Mais voilà, globalement, vous regardez la pièce de théâtre. Et encore une fois, vous n'allez pas rater grand chose, hein. On a les mêmes acteurs qui ont les mêmes rôles, avec les mêmes répliques cultes, qui nous font rire. Parce que oui, ce film est plein de répliques cultes qui font rire. Et honnêtement, j'adore en sortir quelques-unes de temps en temps. Alors, il y en a qui sont un peu de mauvais goût maintenant, genre « Je te baisse, Thérèse !» Génial. Il y en a d'autres qui marchent très bien. Comme notamment, quand elle remplit un petit formulaire, pour ceux qui voient. Pour ceux qui ne voient pas, allez voir, parce que c'est une de mes répliques préférées. Bref, j'ai pas grand-chose à dire, parce que, ouais, je considère que c'est un film tellement culte, pour le coup. Et comme on est en période de Noël, il va être diffusé à la télé, hein. Si ça se trouve, il a diffusé le jour de cette vidéo. Je sais pas, j'ai pas regardé le programme télé. Il est un peu trop loin dans le temps pour que je vérifie. Mais voilà. N'hésitez pas à aller voir parce que c'est un film culte avec des répliques cultes, des acteurs cultes. Et ça fait toujours sourire, même si c'est celui que j'aime le moins. Bon, je passe un bon moment. On en profite. Donc, joyeux Noël et on retire l'étiquette. C'était donc le 49e film et il n'en reste plus que un.